Ah. Ok. Bon, donc hier, vous avez fini votre test et on a commencé avec le numéro 4. On a parlé de l'identité et je vous ai demandé à des stories, n'est-ce pas? Ok. Donc, on a pu voir les stories de Paulina et d'Axel, n'est-ce pas? Oui ou pas? Oui. Ok. Alors, j'aimerais bien faire très très vite cette activité. Est-ce que Lisette, tu peux nous partager tes stories, s'il te plaît, pour décrypter ton identité? Profe me dice que no está habilitada la opción de compartir. Ah oui, maintenant oui. Désolé, désolé, je pensais que j'avais cliqué, mais non. Vas-y, vas-y. Ok. Alors, Lisette, peut-être tu peux taper sur partager. Oui. Et après présenter. Et voilà. ¿Está bien? Oui, merci. Okay. Alors, on y va. Alors, quels sont les réseaux que tu utilises le plus? Utilise Blue, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter et Pinterest. Ok, d'accord. Alors, tu as plus de followers sur? Et Instagram. Ok. Combien de followers J'ai 265 parce que avant, je me sentais inquieta. Tiene post fluyendo. as-tu? Ok, d'accord. Donc actuellement, tu poste rien et ça te fait sentir Oui. plus tranquille. Yeah. Oui. Ok, d'accord, très bien. Lisette, continue, continue. Alors, qu'est-ce que tu partages? De la vie quotidienne. Exemple. Mon université, el exercice o oui. Est-ce que tu partages ce que tu manges, ce que tu fais? Oui. Ok, très bien. Ok, continue, continue, s'il te plaît. Alors, donc, quelle chanson tu utilises pour tes Insta Stories? The Sound of the 975, Punisher, The Fever Eaters, Just Another Girl, The Killers, parce que ce sont mes groupes préférés. Ok, d'accord, très bien, très bien. Tu as des bons goûts, je vois. Très bien, Lisette. Continue, s'il te plaît. Alors, quel compte aimes-tu suivre? O sí, mes artistes préférés. Jenny, soy Ok, pa d'accord. influencer. Ok, d'accord, oui, ça marche. Ok. Et est-ce que tu suis des comptes dans d'autres langues?
Oui, en anglais. Oh mon Dieu, seulement en anglais. Ok, continue. Tu t'identifies à un influenceur ou une influenceuse? Non, parce que ay, al inicio, al debut, je les aime, mais après, yo me senté inquieta parce que tienes en que ellos son reales, reales. Oui, réel. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que parfois il y a comme une vie de perfection, voilà. Tout est positif, voilà. Et donc, oui, parfois ça aussi, le positivisme toxique parfois fait un petit peu de mal. Ok. Quel genre de photos tu préfères? Des selfies avec des amis, etc. Je pose les lieux, par exemple le café, le musée, mon université, le pub, etc. Ok. Ok. Bon, c'est cool ça. Et tu kiffes beaucoup les selfies? Non. Ok, d'accord. Et juste une question personnelle, Lisette. Et pourquoi tu n'aimes pas les selfies? Comment est-ce que tu les trouves? Je pose, mais après ay, ¿cómo se dice? Las borro. Je les efface. Efface. Ok, d'accord. Ok. Donc tu dis, ok, c'est cool. Bah, je n'aime pas les selfies, je n'aime pas me voir dans les photos. Ok, très bien. Merci beaucoup, Lisette. Alors, Lisette, dis-moi, de qui tu veux lire Vanessa Marianne? Vanessa. Andrea Castellanos Hernández, Lisbeth. Lo que dijo que yo. Ok. Vas-y, désolé parce que mon internet s'est coupé. Alors, vas-y, Vanessa. Ah, je ne sais pas comment le partage. C'est bien comme ça. Attends, Oui. Vanessa, parce que je ne vois pas ton écran. Ah, voilà. Non? Tu cliques sur partager et après présenter. Ça ou dit plus, peut-être. Voilà. Ok. Ah, no me deja. Ok, t'inquiète, t'inquiète. Sinon, comme ça, ça Ok. marche. Alors, quels sont les réseaux sociaux que tu utilises le plus? J'utilise le plus Instagram, Twitter et TikTok. Et WhatsApp aussi. Ok. Dans quel J'ai réseau tu as de fois. ah, oui. Dans Instagram, sur Instagram, Okay. et j'ai 816 followers.
Et je partage des contenus sur ma vie et ma les jours. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais je partage des photos avec mes amis, ma famille, ma chienne et mes chats. Et D'accord. aussi les choses que je mange. Vanessa, une question personnelle. Alors, tu partages ton contenu de jour les jours. Et dans ce contenu se trouvent tes animaux de compagnie comme ton chien et c'est ton chat ou ta... Ah non, c'est ta chienne et ton chat. Oui. C'est ça? Alors, la question c'est est-ce que ta chienne et ton chat ont des comptes Instagram? Non, mais j'aime aussi avoir les comptes de les animaux. Ok, d'accord, très bien, merci, merci Vanessa. Oui, moi aussi. Ok, bon, continue s'il te plaît. Les chansons que j'utiliserai et peut-être Great Juice de Harry Styles ou une autre chanson de Harry Styles ou Mac Miller ou Luis Miguel. C'est le plus probable. Vas-y, Et je suis des comptes de live style ou de maquillage, des animaux. Et je suis beaucoup de comptes en anglais et quelques en français. Et je ne m'identifie comme un influencer parce que je partage seulement avec mes amis. Et j'aime partager des selfies et aussi des photos avec mes amis et ma famille. Et quelquefois, oui, j'aime les selfies. Je crois que ça dépend des de jours. du jour, Et de la lumière, de... Ok, vas-y. ouais. Et ah, j'ai pas répondu la dernière. Bon, Je t'inquiète. crois. D'accord, merci beaucoup, Vanessa, très bien. Et bon, c'est intéressant ce que tu nous as partagé, surtout que tu suis des comptes en français, je suis contente. Vraiment. Merci, très bien, très très bien. Alors, donc bon, je regarde qu'il y a plein de différentes personnalités ici. Ça, c'est intéressant. Vas-y, Vanessa, à qui tu veux écouter? Quelle est la personnalité à qui on va décrypter? Marianne. Vas-y, Marianne. On t'écoute. Oui. Ok, alors, donc je vois qu'il y a quelques-uns qui sont plus réservés, il y a d'autres qui partagent tout, il y a d'autres qui aiment beaucoup les selfies, d'autres qui ne les aiment pas. D'autres qui les aiment, mais ce n'est pas la chose principale. Donc, ça, c'est intéressant.
de ella. Oui, on le voit déjà. Marianne, ça te laisse pas partager, n'est-ce pas? Non, te deja compartir, non. Pardon, présenter. Si lo estabas compartiendo. Sí, creo que sí me dejan. Okay. Je vais faire ici un petite annonce. Ah bon, voilà. Bon, après, je le ferai. Vas-y, Marianne, on t'écoute. Quelle réseau social j'utilise le plus? Instagram, les Twitter, les WhatsApp. Mon travail et intérêt. Ok, très bien. Combien de photos de votre chien avez-vous sur Instagram? Et plus de 10 photos. Dans quel réseau tu as plus de followers? Et sur Instagram. Ok. Attends, Marianne, désolée, je vais te couper la parole seulement pour te poser une question importante. Très importante. Comment s'appelle ton chien? Ah, Napo. Ok, d'accord. Donc, je vois que Napo est mignon. Ok, continue, continue. Combien de followers as-tu? 722. Ok. Mmh. Quel genre de contenu partages-tu? Des concerts, de la mode et du café au restaurant. D'accord, ok. Et Marianne, si ce n'est pas indiscrétion, ça c'était un concert de qui? Non, c'est le sac. C'est une foto de Ah, ok. Je pensais que c'était Pinterest. un vrai concert. Ok. Bon, vas-y, continue. Quelle chanson tu utilises pour tes stories? Première de Justin Bieber. Deuxième de Morat. Et finalement de Victim Rush ou de Rick. Ok, d'accord. La photo, elle est très mignonne, de juste trop petit. Ok, très bien. Marianne, continue. Quels comptes aimais-tu sur Twitter et de memes? Du café et de la mode et du sport. Très bien. Suis-tu des compagnes dans d'autres langues? Oui, mais seulement en anglais et par les acteurs. Ou chantus. Ok, d'accord. Vas-y, continue. Et tu identifies à une influenceuse et non, mais j'aime beaucoup Julia. Voilà, très bien. La reine de maquillage des idées créatives, ok. Merci, vas-y, Marianne. Quel genre de photos tu préférais? Des photos dans les micros? Et
les photos avec ma famille et mes amis. Ok, très bien. Tu aimes beaucoup les selfies et oui. Ok, très bien. Et Alors, c'est tout. ok, merci. Alors, soit les photos sur le miroir avec ta famille, avec tes amis ou les selfies. Ok. D'accord, très bien. Merci, Maria. Bon, je vois ici, il y a une différence énorme avec, voilà, les autres camarades. Bon, en fait, tous ont des différences énormes et ça, c'est très intéressant que vous êtes très, très diverses. Ok. Marianne, maintenant, tu veux décrypter la personnalité de qui? Andrea, Arnoldo, Ellie, Lisbeth, Astrid, Mayra, Lianette, Alex. Lisbeth. Lisbeth, vas-y, on va décrypter ton identité. On va voir si tu écoutes à Luis Miguel ou à Murat ou à... Je Camarades de classe ont déjà Ok, la première question, c'est quels réseaux sociaux tu utilises le plus? J'utilise le plus Twitter parce que j'aime lire les nouvelles. ¿Escucho? oui. Ah, bon, es que Merci. tengo mala señal. Ok. ¿Dans quel réseau tu as plus de followers? Twitter? Combien de followers as-tu? 918. Quel genre de contenu partages-tu? Je partage de la musique, vos sur chien, vidéos qui me font rire, vidéos sur les soins de santé, posts sur les santé. Quelle chanson tu utiliserais pour tes stories? Il y a le plus de que ça dépend de la situation. Ok, Si supposons, est-ce Lisbeth. Oui, vas-y, continue, désolé. si c'est est-ce un anniversaire, je vais partager un Instagram story avec une chanson d'anniversaire. Ça dépend de la situation. Quel compte aimes-tu suivre sur les soins des chiens, mes artistes préférés, médecine, compte avec tes cas cliniques médicaux, mes amis, compte sur la langue anglaise et française? Suis-tu des comptes dans d'autres langues? Oui, en Instagram, sigo esas. Digo, tengo más, pero esas. ¿Tú te identifías a un influencer, a un influenceros? No. ¿Quel genre de photo tu préférais des selfies avec les amis, avec la famille? Aucune. Avec mes amis et la famille. Lisbeth, une question. Seulement avec tes amis, c'est-à-dire seulement avec des filles ou des filles et des garçons? Avec les deux. Ok, alors si c'est avec les deux, mes amis, d'accord? Es ah Si tu écris ya mes me he amis, dado cuenta, sí, cierto. voilà. Non, ça va. Tu peux juste prendre des photos avec les filles, mais je posais la question parce que c'était bizarre. Ok, continue, continue. Eso se repite y ya, je n'aime pas les selfies. Ok, Lisbeth, seulement une petite question personnelle.
Pourquoi tu n'aimes pas les selfies? Qu'est-ce que tu penses que les selfies reflètent? Je préfère les photos qui sont Prise. prises. Sin tomarla yo. No sé cómo, yo no sé pas cómo se hace. Sans la prendre. Ah, sans prendre moins. Ok, donc tu préfères des photos où tu ne les prends pas. Oui. Okay, voilà, que quelqu'un d'autre les prend. Ok, d'accord. Ok, ça va. Merci, Livette, c'était intéressant. Maintenant, dis-nous, tu veux décrypter la personnalité de André Hernández, Castellanos, Arnoldo, Eli, d'Astrid, Mayra, Liganet, Alma ou Cecilia? Ah, les Janet. Vas-y, Liganet. On veut savoir un petit peu plus sur toi. C'est vrai? Oui, Yannette, tu peux cliquer sur partager et après présenter, s'il te plaît. Ah, oui. Ok. Je pense que ça c'est la dernière. Listo. Et après, si tu utilises les plus, je utilise Instagram, TikTok, WhatsApp et Pinterest. Dans quel réseau tu as plus de followers? J'ai plus les followers dans sur Instagram. Très bien. Bien Et compris. j'ai 1000 followers. Et que j'ai envie de continuer à partager. Et je partage mes photos dans mon voyage ou avec mes amis, que je utilise pour des tests Insta Stories. J'utilise des Harry Styles, Umbe et Morat. Ok, voilà, je vois ici qu'il y a, voilà, des camarades de classe qui aiment aussi Harry Styles et Morad, donc voilà. Ok, continue, continue, les gars. J'ai composé mes deux œuvres des chanteurs que j'aime. Harry Styles, évidemment, je vois. Oui. Et si tu les composes dans d'autres langues, oui, en espagnol et anglais. Tu t'identifies à un influenceur et parfois, j'aime identifier ou les étudiants qui donnaient des conseils sur Internet de mon carrière. Don. Oui. C'est qui? Si. Okay. Parfois, je m'identifie aux étudiants qui donnent des conseils sur Internet. Quelles prennent quel genre de photos tu prends préférées? Des selfies avec mes amis, avec la famille, aucune. Je préfère avec mes amis. Et
Oui. avec tes amis ou avec tes amis. Seulement avec les filles ou avec des filles et des garçons. Bon, les deux, mais je préfère avec les cinq. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, c'est correct. Continue, continue. J'ai aimé beaucoup les selfies. Ok, d'accord. Tu aimes beaucoup les selfies. Ok. Léanette, si tu pourrais donner un pourcentage des selfies que tu as dans ta galerie ou que tu as sur ton compte d'Instagram, quel serait ce pourcentage? 70%. Oh mon Dieu. Ok, d'accord, très bien. Merci, Léanette. Alors oui, je vois que tu aimes beaucoup les selfies et ça, c'est cool. Ok, très bien, merci. Ok, Léanette, maintenant, dis-nous, quelle personnalité tu veux décrypter? Cecilia, Alma, Mayra, Astrid, Eli, Arnoldo, Andrea, Hernández ou Castellanos? Ellie. Eli, vas-y. Va voir, on va voir. Salut madame, mon internet est très malade, mais. Ay, on y va. Ok, t'inquiète pas. T'inquiète. Tu peux désactiver ta caméra si tu veux. Hein. En fait, D'accord. je suis comme ça pour la même raison. Donc, t'inquiète. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, Ellie. Est-ce que D'accord. ça te laisse partager comme présentation? Oui. Je pense que ici. Ah oui. Vas-y. On t'écoute. Oh. Bon. Quels réseaux sociaux j'utilise le plus et les Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Pinterest, Messenger. Ok, très bien. Écrivez quelque chose, j'aime les étoiles. D'accord, ok. Alors, je suppose que tu suis peut-être des comptes sur le ciel et tout ça. Ok, continue. Oui, dans quel réseau j'ai plus de followers? Facebook. Pardon, j'ai très. ¿Cómo se dit ruidoso? Oui, Ampulla. Oui, combien de followers j'ai 321. hein. Très petit. D'accord. Les gens du contenu que j'ai partagé, c'est sur ma vie. Et toutes les aventures que j'ai fait. Les chansons que j'utilise pour mes histoires, c'est Alicia Keys, Luan et Disney.
Yeah, finalement, quelqu'un qui utilise une artiste française. Très bien. Bravo. Merci. Et quelqu'un aime te suivre et je pense que créateur de contenu et seulement. Ok, Ellie, tu peux nous donner un exemple? Oui, sur maquillage, sur les comment ça se dit? Patinage en glace. Sur Pour, glace. Ok. yeah, so, et oui, pour apprendre technique autodidacte. Et que Très bien, c'est intéressant, très bien. c'est aussi j'aime une personne que c'est que le nom est un peu de français ou que l'autre j'ai oublié. T'inquiète, t'inquiète. Continue, continue. Autre langue, je pense que anglais, français aussi et coréen. Ok, Ellie, attention ici, on dit Gus, anglais. anglais. Wow, Ellie, est-ce que tu parles russe? Non, mais la personne qui ¿cómo se dice? ¿Patinan mejor? Qui patine le mieux? ¿Que patine le mieux? C'est Rus. De la Russie. Ok, d'accord, ce sont des Russes. Ok, wow. Alors oui, tu avais soin de ce. Mais solamente j'ai regardé les vidéos et pratique. Ok, Et d'accord. jouer les patinages. Ok, tu fais du patinage. Ok, d'accord. Mmh. Bon, c'est intéressant. Vas-y, continue. Oui, je ne m'identifie pas comme un influenceur. Influenceuse. D'accord, très bien. Continue. Et les photos que j'ai préférées sont des selfies avec mes amis Attends. ou oui. Tiene l'écoute. Ellie, Oui. les photos que tu préférais ou que tu préfères? Que je préfère. Voilà. Oui, parce que si tu dis préféré, ça c'est au Et passé. passé. Oui, pardon, je préfère. Ok, d'accord. Ok. D'accord, très bien. Ellie, donc voilà, on voit ici aussi des choses très intéressantes et très, très, très différentes à des autres camarades de classe. Je pense que c'est la même question. Oui. Je pense que oui. J'aime beaucoup les selfies, oui, tout le temps j'ai partagé dans Facebook, sur Facebook ou sur Instagram. D'accord, très bien. Ellie, et alors, ces selfies que tu partages, ce sont des selfies où tu es toute seule ou avec tes amis, ou les deux? Les deux. Ok, d'accord. Très bien. Et les genres de musique préférés, c'est les rockers. Ok, bon, le rock. On dit plus Les rock.
Okay. C'est un peu débile. Ah, super bien. Ok. C'est fini. D'accord, très bien, Nelly. Merci beaucoup. C'était Merci. vraiment très intéressant. Ok, avec ces groupes de rock, j'ai de bons souvenirs. Très bien, merci Ellie. Ok, Ellie, avec... Pardon, à qui tu veux écouter? Allemand? Alma, vas-y. On veut décrypter ta personnalité. Ah, Alma, désolée, mais je n'ai pas compris. Ah, ok, que tu allais partager. No sé cómo puedo entrar en grande. En bas, il y a des flèches. Voilà. Les réseaux sociaux que j'utilise plus, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp et Pinterest. J'aime l'indie rock et en différentes langues. C'est les mon non c'est les genres, comment c'est ce genre, Le genre. le genre de musique que j'aime. Ok. Et par exemple, Alma, tu as dit que tu l'écoutes dans toutes les langues. Donc, l'affiche qu'on vient de voir, c'est de l'indie rock en quelle langue? L'indie rock en français, en anglais et en allemand. Ok, mais ça, ce que tu as mis ici, Polo et c'était qui? Polo. Pour le pan et un groupe français. Ok. Je n'aime plus. Ça me fait pas venir le martes ici à Monterrey. Ah oui, waouh, non, je ne les connais pas. Donc, je vais les chercher, les écouter. Et tu vas aller, Alma? Oui. Bon, après, tu nous raconteras ton expérience dans le Oui, concert. Esto me huele a falta el próximo martes. Ok, todo sea por lo cultural. Ok, vas-y, Alma, continúa. Oui, ok, solo por eso. Vas-y, Alma, continúa, s'il te plaît. ¿Dans quel réseau social tu as plus de followers? Sur Facebook. Et j'ai 800 followers. Ok. Je continue, j'ai partagé continue même. Memes, ¿está bien dicho? Oui, on dit même. Memes, foto de voyage avec mes amis. Ok, très bien. Les mêmes qui nous donnent beaucoup de joie. Ok, continue, continue. Et quelle chanson utiliser pour mon histoire? Arc-en-ciel de Paul Le Pen et Midnight City de M83 et Treat of Joy de Strokes.
Oh, qui compte j'aime suivre de la musique classique, la gastronomie et des voyages. J'ai compte ah oui j'ai suis de compter en anglais, en coréen, en français et allemand. Trop bien. Oui, je ne suis pas un influenceur. Alma, ¿cómo que no? No. J'aime tous les genres de photos avec mes amis, avec ma famille. Ese no Ok. sé por qué está repetido. Attention, Alma, est-ce que tu peux revenir un peu? Alors, tu aimes tous quoi? Les genres? Ah, ok, d'accord. Si tu dis toutes les photos, tous les genres. Ok, alors c'est correct. Ok, continue, continue. Oui, l'une des diapos était répétée, mais continue. Je n'aime plus beaucoup. Oh, je n'aime plus les selfies. Attends, tu n'aimes plus, c'est-à-dire avant, tu les aimais beaucoup et maintenant plus. Comment pour dire je non me tombe? Ah, je ne prends pas. Je ne prends pas plus de selfies. Ah, ok, je ne prends plus de selfie. Je ne prends plus de selfies. Pourquoi, Alma? Est-ce qu'on peut savoir? J'aime. Ay, Santo. J'aime prendre des selfies. Mais non sola, ¿cómo se dice? Ay, Dios santo. Pas toute seule. Pas tout seul. Avec mes amis, avec mes familles, je prends des photos. Avec mes tout seul. Je ne l'aime plus. Ok, d'accord, ok, oui, c'est ok. Mon livre préféré pour l'instant, c'est Cyrano de Bergerac. C'est très intéressant. Ok, C'est un classique. d'accord, merci pour la recommandation et... Et c'est en photo. C'est un voyage sur Corée du Sud. Et ça, c'est tout. Ok, c'est très intéressant. Alma, tu es, je ne sais pas laquelle, mais tu es à gauche, à droite? Ah, yo soy la Ok, guaroxina, no sé cómo tu es la blonde. Ok, se wow, c'est très cool, Alma, je te félicite, c'est très très cool. Bon, j'espère qu'après tu ajouteras plus de photos de tes voyages, c'est cool. Ok, merci, merci Alma. merci. Ok, Alma, vas-y, très vite, choisis quelqu'un. On a Cecilia, Mayra, Astrid, Arnoldo, Andrea, Hernández ou Castellanos. Andrea Castellanos. Vas-y, Andrea, on t'écoute.
Écoutez, je vais plus vous couper la parole pour essayer de le faire le plus vite possible, sauf si je dois vraiment intervenir. Et voilà, si vous voyez que là, il y a 1 minute pour partager, bon, essayez de parler le plus vite possible pour compléter. Pardon, pour parler. Ah mince, j'ai oublié ce que j'allais dire, désolée. Vas-y, André, on t'écoute. Quelle red social tu utilises le plus? YouTube, no está, pero YouTube. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Ok, Andrea, tu regardais ou tu regardes? J'ai regardé la vacante. Ah, ok. ¿Lo dije mal, Miss? ¿O? Oui. Alors, Andrea, acuérdate que si la E final no tiene acento, ¿qué pasa? Ay, no se dice. ¡Ah! Miss, las E y las S finales son mis enemigos. Ok, bueno, acuérdate, como enemigos no los quieres ver, no los quieres pronunciar. Alors, je regarde. Je Voilà. regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Ok, très bien, très très bien. Merci, continue. Lance. Non, non, je dis continue. Dans quel réseau social tu as plus de followers? Je n'ai pas de réseau social. ¿WhatsApp cuenta como red social, Miss? ¿Realmente? Esa es mi pregunta. Porque no puedes tener followers ahí. Bon, tu Oui. n'as pas de followers ¿Podemos tener followers? mais bon, il y a des statuts à partager, il y a des contacts. Oh, bueno, WhatsApp. Yo tengo WhatsApp. Ok. No sé, WhatsApp. Andrea, et tu as dit aussi YouTube, non? Ah oui, mais j'ai utilisé non, j'ai utilisé YouTube seulement pour regarder vidéos. Ok, tú no sigues pas de compte là-bas, no sigues a otros creadores de videos, no. O sea, sí lo sigo, pero nadie me sigue a mí, porque pues no subo nada. Ajá, alors bon, tú utilizas así YouTube como red social para continuar a ver el contenido de otra persona, ¿no? Oui. Ok, de acuerdo. Pero la pregunta se refería a cuántos followers tenía yo o cuántos followers o cuántas personas yo sigo. Ah, no, no, no. ¿Combien de followers as-tu? Mais je, maintenant, je me rappelle de la question précédente. Okay. Ok, continue. Alors, tu n'as pas de followers. Alors, on dirait zéro. Quel genre de contenu partages-tu? Partages-tu? Oui. Si j'ai avec réseaux sociaux, mon contenu serait éducatif avec plein. Non. Si j'avais des réseaux sociaux, mon contenu serait éducatif avec plein ou livres. Livres. Ok, très bien. Es lo mismo que lo otro. Si j'avais des réseaux sociaux, j'ai utilisé cette canción. Joya el Scandal, The Phantom Pain, Tokyo Teddy Bear, Eneru y Walls of Malice. La versión de Dong Dang.
André, Ces comment que ces canciones, ces chansons? chansons, Ok, t'inquiète, mais ne l'oublie pas. Vas-y, on continue. pardon. Et qu'il compte à mettre ce bruit. Quel compte Quel compte aimes-tu aimes-tu suivre? suivre? Les chanteurs que j'aime, les chan, no sé si puedo decir esto bien, Miss, pero Chanel, Le chêne. chaîne de livres et le chaîne. Comme chaîne. Les chaînes de livres et les chaînes de résumé de jeux vidéo. Porque es más fácil verlos que jugarlos a veces. Ok, d'accord, très bien. Tu triches. Non, Mándame. non, vas-y, vas-y, continue. Suis-tu de compondre dans les autres langues? Oui, anglais. Irrelevante, pero hoy y ayer me salieron muchos videos de, no videos, pero comerciales en francés. Yo no sabía por qué. Me. Okay. C'est un signal, Andrea, es una señal No, Miss, no. de suivre des comptes en français, pas en anglais. Bon, en anglais, oui aussi, mais plus en français. Ok, continue, continue. Medio entendí lo que decían en el comercial, pero yo estaba como que de no quiero clases de finanzas, gracias, así. Porque era de eso. ¿Tú te identificas a un influencer? No. ¿Quel genre de foto tu préférais? ¿De selfies avec les amis, avec la famille, o con? Je préférerais les photos à autre chose comme les photos de paysage. Ok, d'accord. Ah, ok, attends. Yo ya decía que a mí me había equivocado en algo, yo ya decía. Tranquila. Alors, je préfère les photos. Debería ser les photos, ¿no? O sea, en plural. Ajá, je préfère les photos a autre chose. O sea, ¿prefieres las fotos que otras cosas? No, prefiero tomarle foto a cosas, por así Ah, decirlo, no a personas. alors, je préfère prendre des photos à des choses, à des personnes. Okay. Alors. Alors, est-ce que tu peux relire, Andrea, s'il te plaît? Oui, madame. Je préfère prendre des photos à des choses qu'à des personnes, comme des photos de paysages. Voilà, très bien, très très bien, Andrea. La última. ¿Tú aimé beaucoup les selfies? No, je détestais les selfies. Ok, alors Andrea, tu dis non merci, jamais dans la vie. Et Andrea, pourquoi? Ah, parce que les selfies es como así, ¿no? Je pensé que tout le monde me regardait y me incomoda. Ok, alors ça te... Attends, je vais l'écrire. Alors, ¿ça te rend mal à l'aise? ¿Eso te incomode, Andrea? Oui. Ok, alors, tu peux répéter. Ça te...
Maintenant? Est-ce que tu peux répéter l'expression? Ah oui. Ça me rend mal à l'aise. Voilà, eso me incomoda, ça me rend mal à l'aise. Ok, Voilà. d'accord, merci Andrea. No olviden la N final en el no. Voilà, ya van varios a los que cacho que se les olvida esa N. Ok, Andrea Castellanos, Shoasí, Astrid, Mayra, Cecilia, Arnoldo o Andrea Hernández. Andrea Hernández, porque solo hay un apellido de diferencia. Ok, va así, Andrea. Se tatúa. On t'écoute. Ok, quels réseaux sociaux tu utilises le plus? J'utilise Instagram, TikTok et Twitter. Andrea, ¿Qué pasa? est-ce que tu peux revenir à la première? Il y a une petite chose à corriger. Ah, l'apostrophe, c'est... Oui, ok, vas-y, continue. Ok, dans quel réseau tu as plus de followers? Instagram, j'ai 571. Oui. Et quel genre de contenu partages-tu? Et je partage l'histoire de mon nourriture. Ah, mon bien. Et lieu que je visite. Selfie? Selfie. Ok, attends, Andrea. Je partage des histoires de ma... Je partage des histoires de ma nourriture et selfies et des lieux que je visite. Des selfies. Ok, d'accord, continue. Et quelle chanson tu utilises pour tes Insta Stories? Et chanson sur The Harry Styles, Lana Del Rey et Jungkook. Ok, je vois pourquoi Harry Styles a été nominé dans tous les prix. Ok, continue. Quel camp aimes-tu suivre et avec cuisine et lieu de Corée? Et suis-tu des camps dans d'autres langues? Et oui, et d'anglais, français et de coréen. Ok, Andrea, rappelle-moi, tu apprends aussi le coréen, n'est-ce pas? Oui. Actuellement. Ok. Oui. Très bien, continue, continue. Et tu t'identifies à une influenceur? Et non. Et quel genre de photos tu préfères? Des selfies avec les amis, avec la famille, selfies et photos avec mes amis et mon famille. Okay. Et quel est ton livre préféré? Et Donde habita en Los Ángeles de Claudia Celis. Et tu aimes beaucoup le selfie et j'ai car c'est amusant. Et Ok, quoi, c'est tout. d'accord. Très bien, Andrea. Une question. Alors, tu préfères les selfies, mais quel pourcentage de selfies tu as sur tes réseaux sociaux? 99, peut-être. 99. Oui, c'est vrai ça? Oui, je partage beaucoup de selfies. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Merci, Andrea. C'était très intéressant. Merci. Andrea, ¿a qui tu veux écouter? On a Arnoldo, Astrid, Mayra y Cecilia. Cecilia. Vas-y, Cecilia, on t'écoute.
Madame, je suis désolée, mais est-ce que je peux parler à la fin de les entrées? Ah oui, je viens de lire ton message. Désolée, désolée. Ok. Alors, André Hernandez, tu as Arnoldo, Astrid et Mayra. Mayra. Vas-y, Mayra, on t'écoute. Voy. Estoy buscando la de esta. Quel réseau social tu utilises le plus? Instagram? Quel type de contenu tu uploades dans tes réseaux sociaux? Actuellement, seulement photos de ma nièce et avec mon petit ami. Dans quel réseau tu as plus de followers? Instagram? Combien de followers as-tu? 898 followers. Quelles chansons tu utilises ou utiliserais pour tes Insta-stories? La majorité sont sans musique, mais quelquefois je le partage avec une chanson instrumentale. Quel compte aimes-tu suivre les personnes qui partagent recettes de cuisine? Ok, attends, Maïda, est-ce que tu peux revenir en arrière? Ici? Où tu as dit que la majorité... Ah oui. La majorité sont sans musique, mais quelquefois je partage avec une chanson instrumentale. Ok, alors attention à la majorité. Voilà. Tu as bien prononcé, mais c'est avec J. Ok, continue, continue. Oui. La recette de cuisine. Suis-tu des comptes dans d'autres langues? Oui, en anglais. Tu Okay. t'identifies à un influenceur? Non. Non. Jamais. Et quel genre de photos tu peux faire? Des selfies avec les amis, avec la famille, aucune. Avec mes amis, ma nièce et mon petit ami. Attends, avec ta nièce ou tes nièces? Ah, ma. C'est Pardon. ça. Ma nièce. Seulement une. Ok. Tu kiffes aimer beaucoup les selfies? Avant, oui, actuellement, je ne prends pas selfie photos. Ok, C'est d'accord. tout. Ok, très bien, merci beaucoup. Et actuellement, tu ne prends pas de selfie. Ok, Mayra, pourquoi est-ce que actuellement tu ne le prends pas? Alors, ça veut dire qu'avant, tu le faisais? Je sais pas, seulement je ne l'aime plus. Je n'ai pas une raison. Seulement, je me sens bien quand je prends des photos. Ok, seulement avec ton copain et ta nièce. Ok. Ok. Bon, vas-y, Maïda, tu as encore deux personnes à choisir, Astrid ou Arnoldo? Arnaldo. Vas-y, Arnoldo, on t'écoute. On va décrypter ta personnalité. Pour les premières questions, les réseaux sociaux que j'utilise le plus, c'est Messenger, YouTube et Discord. J'aime de regarder des vidéos. Discord Messenger pour les messages. Dans quel réseau j'ai plus de followers? Facebook, mais je déteste Facebook, car il me prend beaucoup de temps. Ok, attends, Arnaldo,
¿Tú detestes Facebook o pasé o tú le detestes actuellement? Actuellement. Ok, alors, comment on dit? Tu peux répéter? Mais je déteste, pardon, les E. Bon. Je déteste Très Facebook. bien, continue. Combien de followers? 165 amis sur Facebook. La plupart sont des gens que j'ai rencontrés à l'école. Très bien écrit, très bien fait. Quel genre de contenu je partage? C'est très important. Images de rôles de chat, comme dans. Pour moi, le seul parti de l'Internet actuel que c'est bon. Ok, très bien, Arnaldo. Alors, définitivement, tu es l'une des personnes qui rendent heureuse à toutes les personnes sur Facebook. Ok, très Je l'ai bien. publié sur Facebook, principalement je l'ai publié sur Discord et Messenger sur les groupes de mes amis. Ok, très Et bien. les chansons, pour moi, top 3, j'utiliserai. Pour exemple, ces trois chansons, c'est principalement metal et rock. Après, et que comme j'aime, principalement, je regarde des chaînes de YouTube. Par exemple, Gemini Home Entertainment, c'est une chaîne d'horreur. Très bonne. Aussi, par exemple, c'est une chaîne de cinéma et une de philosophie. C'est les deux très intéressantes. Ok, très bien, très très bien. Moi, définitivement, la première, je pourrais pas, mais les autres deux, oui. Parce que j'ai toujours peur. Très bien, Arnold, continue. Et après, c'est des comptes dans d'autres langues, principalement l'anglais. Je ne regarde des YouTube sur français. C'est trois exemples de comptes sur anglais. Et je m'identifie à un influenceur. Oui. Je m'identifie sur cette Cintas car c'est une chaîne, pardon, d'un homme qui aime les jeux vidéo bizarres et l'humour absurde. C'est pour moi. Moi aussi, aime des jeux vidéo bizarres et d'un bon humour. Ok, très bien. Alors voilà, une chaîne intéressante, je vois. Ok, très bien. Avec les photos, j'ai pas fait sur les amis. C'est moi avec les cheveux courts. Sur les premières. Comment ça dit semestre? Semestre. Sur les premiers semestres de la fac. Wow, oui, je vois les petites salles de philosophie, très petites et charmantes. Ok, très bien, Arnaldo. Et j'aime les selfies, non, mais je ne sais pas pourquoi. Seulement, j'aime les selfies. Ok, attends, Arnaldo. Il y a quelque chose que j'ai répété avec toutes les camarades de classe qu'il faut corriger. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Donc, j'ai corrigé déjà comment à 5 personnes que je vous ai dit, n'oubliez pas ça. Et je pense que c'est le nom. Voilà, Ah, merci les... pour. Non. Non, voilà. Non, je ne les aime pas, je ne suis pas sûre. Pourquoi?
Voilà, pour. Il manque un U. Pour. Falta una U por ahí. Voilà, très bien. No se les olvide esa N, d'accord? Ok, très bien. Merci beaucoup, Ben c'est tout. Arnaldo. De Ok, rien. d'accord. Arnaldo, tu as comme option Astrid ou Astrid, à qui tu choisis? Astrid pour être. Ok, Astrid, désolée, mais c'était à toi. Vas-y, on t'écoute, Astrid. Tu es la dernière. Ah non, presque. Ya se ve, ¿verdad? Ah oui, vas-y, on t'écoute. Oui. Oh, la première question, c'est quel est les réseaux sociaux? Tu utilises le plus? Et j'utilise le plus Instagram, WhatsApp et Pinterest. Et la deuxième question, c'est dans quel réseau tu as plus de followers? Et c'est Instagram. Et j'ai 655 followers. Et quel genre de contenu partages-tu? J'ai partagé ma vie en général et comme ma famille et mes amis. Et quelles sont tu utilisais pour tes Insta Stories. Moi, top 3, c'est Summer par Calvin Harris, Love Tonight par Shuse et David Guetta, et All Night par The Bumps et Madonna. Ok, très bien. Je vois quand même un DJ français. Très bien. Et quel compte aimes-tu suivre? Et je me suis beaucoup des comptes de mode, des lifestyles et des photographies. Surtout des comptes dans d'autres langues? Oui, principalement en espagnol et en anglais, mais aussi très peu en français et en allemand. Ok, aussi. Ok, mais bon, quand même, très bien. Et tu t'es identifié à une influenceuse et non? Et je ne parle pas sur Instagram. D'accord, ok. Et quel genre de photos tu préfères? Et je préfère les selfies et les photos avec ma famille et mes amis. Ok, d'accord. Et finalement. Et oui, et tu kiffes beaucoup les selfies? Oui, et j'adore les selfies. Ok, et une dernière question pour toi, Astrid. Est-ce que quand tu fais des selfies, tu préfères les prendre de manière naturelle ou tu utilises des filtres? Et naturel, mais j'utilise une app par comme si c'est comme agregar color nada más, pero no un Pour filtro. ajouter des couleurs. Oui, pour ajouter des couleurs, mais je n'utilise pas les filtres. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Astrid. Très, très bien. Ok. Bon. Cécilia, tu es prête ou à la fin de la classe? Oui, je suis prêt. Ok. Alors, donc, Astrid. On choisit Cécilia maintenant. Vas-y, Cécilia, on t'écoute. Merci. Vas-y, Cécilia, on t'écoute comme rappeuse française. Très vite. Vas-y, vas-y.
¿Qué red social tú utilizas el plus? Yo utilizo WhatsApp. ¿Dans quelle réseau tu as le plus de followers? Je n'ai pas de réseau social sur le mot WhatsApp. J'avais Instagram, mais je l'ai récemment supprimé. Combien de followers as-tu, Rianne? Attends, tu as rien ou tu as aucun follower? Aucun follower. Voilà. Je suis désolée. Quel genre de contenu partages-tu? J'avais l'habitude de partager des photos avec mes amis. Quel chanson tu utiliserais pour tes Insta Stories? Ah, j'ai utilisé Are You Blooming? C'est une chanteuse coréenne. Ah, l'autre chanteuse que j'ai utilisée pour les Insta Stories, c'est Taylor Swift. Et sa chanson Red et à la quiero sentirlo todo. Okay. Quel compte aimes-tu suivre? J'ai aimé surveiller les comptes de fitness et mes artistes préférés. Suis-tu des comptes dans d'autres langues? Oui, en anglais, en coréen et en japonais. Et tu t'identifies à un influenceur ou influenceuse? Ah, je crois que non. Et quel genre de photo tu préférais? Des selfies avec les amis, avec la famille ou alcun? Des selfies avec ma famille, surtout avec mon neveu, que c'est à la gauche. Et mes amis. Ok, qui c'est à gauche? Ok. À gauche. Tu kiffes aimes beaucoup les selfies? Et oui, je les aime beaucoup. Ok, attention, Cécilia. Beaucoup. À la... Attention à l'écriture. Oui. Je suis désolée, oui. Ok. Beaucoup. Et quel est ton livret préféré? C'est le livret de Les insoutenables légèretés des lettres par Milan Kundera. Ok, d'accord, très bien, Cécilia. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à toi. J'ai pris des notes de toutes les chansons que tout le monde met sur les Instastories pour les copier et les utiliser. Non, c'est pas vrai. Ok, merci beaucoup à tous, c'était très intéressant vous découvrir. Et si vous vous êtes rendu compte, j'ai posé beaucoup de questions sur les selfies et tout ça parce que. Parce que voilà, je pense qu'il est intéressant de réfléchir un peu à toutes les photos qu'on prend, à tout le contenu en général qu'on partage, ou si vous avez effacé vos réseaux sociaux, ou si vous n'avez pas, si vous n'avez pas pardon, des réseaux sociaux parce que je sais pas, c'est votre choix et vous décidez juste d'utiliser l'indispensable, c'est très bien, mais quand même. Il est intéressant de voir tout ce qu'il y a dans l'Internet. Et sur Internet, il y a beaucoup de gens qui partagent leur image. Voilà. Et ça, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, ça, c'est aussi dans la vie courante. Donc, par exemple, est-ce que vous connaissez à ce personnage que j'ai partagé? C'est qui? C'est ce personnage dans quel conte elle participe? Blanche Neige, Comment Neige ça Blanche, Blancanieves, s'appelle? Très bien. la Villa.
Excellent, c'est ça. Merci. Désolée si vous aviez répondu, pas écouté, je pense que mon internet s'est coupé. Oui, c'est un personnage du conte de Blanche-Neige. Très bien. Alors, Andrea Castellanos, tu peux nous aider à lire ce que Maléfique dit et le miroir? Oui. Miroir, miroir, qui est la plus belle maintenant? C'est vous, Marine, mais va avant un ou deux liftings. Voilà, d'accord. Donc, vous voyez, le miroir, il est très sincère. Voilà. Bon, d'abord, allez faire des liftings et après, on parle de la plus belle. D'accord? Donc, alors, je pense que même si on ne fait pas de lifting, on fait parfois, on utilise parfois des filtres ou de quelques trucs pour améliorer notre, bon, notre apparence, d'accord? Et aujourd'hui, on va finir la classe avec ce petit texte qui parle justement des réseaux sociaux et des selfies, d'accord? Alors, si vous avez votre livre, allez à la page numéro 74 parce que vous avez Miroir, mon beau miroir, le tout à l'ego du libéralisme. Hein? Tout à l'ego, ça, c'est mot, c'est un jeu de mots qui fait référence à tout à l'ego. Tout à l'ego, ça veut dire el desagüe, voilà. Tout à l'ego es el desagüe, es una alcantarilla, voilà. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'on compare, voilà, le tout à l'ego avec le tout à l'ego. Allez-y, je vous donne 5 minutes pour que vous lisiez ce texte.
Alors, vas-y. Vanessa, on t'écoute le premier. Ah, désolé, André Hernandez, vas-y, on t'écoute le premier. Oui, merci. OK. Les selfies, oh, les tout allégants du libéralisme. Les selfies, ces miroirs narcissiques et numériques, les pages Facebook où l'on affiche sa personne sur tous les contours et dans toutes les situations, les tweets qui sont censés livrer à tous les followers, son humour est moins de 140 caractères, les Snapchat, photos ou vidéos éphémères. Ce sont quelques-unes des manifestations les plus spectaculaires de ce tout à l'ego qui occupe une grande part du quotidien et des longs connecteurs. Dans cette société de consommation, de masse et de libéralisme triomphant. Merci, Arnaldo, continue. La partie des selfies partisive est étroitement de la fabrication d'une joie grandiose, idéaliste qu'il convient de renouveler régulièrement. Ce n'est ni une photo de CV, ni une photo d'identité. Analyste Sarah Gish, écrivain et psychanalyste. Et pour attirer l'attention à tout prix et faire exploser les contours des likes et les nombres de commentaires et de partages. On est prêt à tout en matière d'extravagance. Bonheur et éphémère, qui en faire encore plus l'attendure dans cette maison de miroirs où l'on se perd et qui disperse de faire l'effort d'échanger et de partager dans le monde réel. Aux États-Unis, on parle de la génération moi, en référence à la génération moi des 68 ans, et les troubles de la personnalité narcissique se développant chez les jeunes. Ok, merci. Attention, donc j'ai oublié ce que j'allais corriger. Ok, alors bon, vous voyez, c'est waouh, voilà. Maintenant, je pense que beaucoup de monde se prend des selfies, mais au moment de désolé, de prendre une photo, peut-être pour le boulot, pour le travail, pour quelque chose de formel, parfois ça pourrait être difficile parce qu'on n'a plus l'habitude. Voilà. Moi, je le dis personnellement parce que parfois j'oublie ça. Mais bon. Ah, désolé. Vas-y, Vanessa, tu peux continuer, s'il te plaît. Oui. Tout à son ego, les oreilles connectées sur le flux musical du moment, l'individu n'entend plus le monde, il traverse les regards vides et la bouche close. Avec son smartphone, il se laisse distraire et s'évade avec Candy Crush et Angry Birds, en entendant de se connecter à tout moment, où qu'il soit, quoi qu'il fasse avec une amie, une relation, un parent. Cette société humaine, virtuelle avec sa centaine d'amis, de followers ou de contacts, les rassure et lui suffit. Je continue. Ah, non, attends, Vanessa, merci. Alors, une chose importante, voilà, presque tout le monde est connecté sur n'importe quel réseau social ou sur quel site d'internet, soit pour jouer à des jeux vidéo, soit pour écouter de la musique sur Spotify, soit pour être sur TikTok pendant des heures. Et alors, parfois, on a le regard vide et la bouche cousue. Le regard vide, c'est-à-dire, hein, on voit rien, voilà. On regarde peut-être beaucoup des choses, mais en même temps, on n'est pas en train de faire attention vraiment à quelque chose. Et on a la bouche cousue, c'est-à-dire la bouche fermée. On parle pas parce qu'on est toujours collé aux choses qu'on voit sur Internet. Et
Ah voilà. Quelque chose qui me faisait un peu de bruit à chaque fois que vous disiez combien de followers ou de contacts vous aviez. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a effacé ses réseaux sociaux parce que ça a été comme un peu stressant, voilà. Ça le rassurait de ne pas voir combien de followers ou combien de personnes il y a sur le net. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se préoccupent pour avoir une centaine d'amis ou de followers et ça le rassure. Voilà. Eso los calma, saber que son seguidos por más personas, voilà, pour quelqu'un qui regarde ces histoires, etc. Ça dépend évidemment de la personne. Ok. Est-ce que Axel, tu peux continuer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En quelques décennies, nous sommes passés d'un monde où existaient encore des structures collectives organisées et très structurées qui donnaient à l'individu un cadre de pensée et des principes moraux et philosophiques qui l'accompagnaient dans l'action, à un nouvel ordre plus fluide, fondé sur le culte dont l'individu libéré. De toute elle. Éternel adolescent, incapable de surmonter ses propres frustrations, l'individu moderne est condamné à suivre la foule et de ses semblables dans la vaste avenue virtuelle du Champs-Élysées de la capitale mondiale du grand marché numérique. Voilà, merci beaucoup Axel. Donc, vous voyez, d'accord? Avant, il existait ces structures collectives organisées, très structurées, où peut-être les gens se rassemblaient dans des places où ils parlaient, où ils partageaient ses pensées, voilà. Et actuellement, bon, pas du tout comme ça, voilà. C'est difficile d'avoir une propre pensée. Parce que sur Internet, il y a beaucoup d'idées à partager. Il y a parfois des choses qui nous sont confusantes, qui peuvent nous laisser, comment est-ce que je peux dire? Oui, qui font qu'on reste dans une étape comme dans l'adolescence et qu'on n'avance pas. Voilà. Je parle pas à tout le monde, mais c'est vrai que ça existe. Voilà. Il y a des éternels adolescents sur Internet. Voilà. Des gens qui ont déjà, je sais pas, 40 ans et qui peut-être restent sur les réseaux sociaux comme s'ils étaient des adolescents. Et donc, parfois, ça c'est un peu, bon, je pense, je trouve ça un peu difficile pour son développement personnel. Mais bon, je dis, ça dépend des gens, voilà. Ça c'est quelque chose de personnel de suivre les réseaux sociaux, de... Oui, restez dans cette étape. Bon. Alors, donc, vous voyez, c'est un petit article de Guy Vallet, voilà, dans la revue scientifique La science du partage. Voilà. Et là, vous voyez, il y a, je pense, beaucoup de questions à nous poser nous-mêmes. Voilà. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? On peut dire. Quel est le regard qui porte l'auteur sur l'individu d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un regard positif, négatif? Est-ce qu'il pense que c'est très bien l'utilisation des réseaux sociaux chez chaque individu? On est responsable de ce qu'on fait ou pas? Qu'est-ce qui caractérise cet individu? Que fait-il sur Internet et pourquoi? De quoi est-ce qu'il parle quand il mentionne la maison des miroirs? Voilà. Et qu'est-ce qui a changé dans la construction de l'individu? Est-ce que les réseaux sociaux, les selfies, les tweets ont eu une influence sur notre identité? Je vais vous demander maintenant de ne pas me répondre, pas encore.
Je vais vous demander de d'aller, attendez-moi, sur Quizizz. Tapez ce lien. Je viens de le partager sur le chat. Là, vous avez les questions. Ok, je vois qu'il y a déjà cette personne-là. Alors, vous avez beaucoup de temps, ok? Vous avez beaucoup de temps pour répondre aux questions. Vous avez justement les 10 minutes qu'on a pour finir la classe. Donc, relisez les questions et on va les répondre ici. Je vais juste attendre que tout le monde soit connecté. Ok. Ok. On a 13 personnes. Il me manque 3. Ok, je pense qu'il manque Marianne. Qui d'autre? Mayra, Vanessa, Paulina, Ella, Alma, Andrea et Janet, Vanessa, Andrea Castellanos aussi, Lisbeth, il manque Lisette, ah non, il est là. Ok, on y va, on va commencer. Bien. Quatre. Thank you.
Je ne sais pas pourquoi je vois seulement des questions de félicitations, Axel, pour ta première place. Très bien. Lisbeth, la deuxième, et Vanessa, la troisième. Très bien. Très, très bien. Ah oui, maintenant, je vois tout le monde. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas voir vos réponses. Mais bon. Alors, donc, très bien, tous ceux qui ont répondu, je vois qu'il y a des fautes dans la quatrième, bon, dans la dernière. Bon. Pour la 4 qui a été l'une des plus difficiles à répondre, d'après le texte, pourquoi il s'évade au moyen des jeux sur son téléphone, Axel, qu'est-ce que tu as répondu alors? Axel, quelle était la réponse correcte? Oui, car il est incapable de surmonter ses frustrations. Voilà, merci. Surmonter, ça veut dire superar. Alors, selon le texte, según el texto, les personnes s'évadent au moyen des jeux sur le téléphone portable parce qu'on est incapable de surmonter, de superar nos frustrations. D'accord. Ok, c'est le texte, hein. Il y avait aussi d'autres questions qui étaient incorrectes avant 5 et 6. Qu'est-ce que la maison des miroirs évoquait dans le texte? Alma, tu peux nous dire? Oui, les selfies sont des miroirs de se comprendre et où l'on s'enferme. Voilà, c'est qu'on prétend, voilà, lo que pretendemos ser, voilà, y donde nos encerramos, et où l'on s'enferme. Oh mon Dieu, cette lecture est très philosophique. Ok, merci, merci Alma. Et la dernière, qu'est-ce qui a changé dans la construction de l'individu? Dis-moi, Pauline. Il est fondé sur culte d'un individu libre de toute tutelle. Voilà, d'accord, c'est-à-dire on est complètement libre de faire ce qu'on veut, de poster ce qu'on veut, de parler de ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Voilà, on n'a pas un tuteur, on n'a pas personne qui nous dit non, il faut pas faire ça ou il faut pas poster ça. Bon, il y a toujours des gens, mais on peut les ignorer. OK. D'accord, bon, on va s'arrêter ici. Demain, on continuera à parler des réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous de votre participation et bonne soirée. Merci. À Non, demain.